essayé de le tuer. Il voulait tuer le père. Dieu l'a protégé comme il nous protégera. Tant que nous faisons confiance au père, je ferai tout ce qu'il voudra. Comme nous tous. Désolé, j'ai cru qu'ils avaient... Allez! Allez, fouille la pièce vite. Oh Seigneur, j'aurais jamais cru. On va foutre tous ces connards derrière les barreaux. Toute la famille. Putain, fanatique. On va sortir de ce merdier, petit. Pour commencer, il nous faut des armes. Tiens. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une route dehors. On va la prendre. Et on va monter vers le nord-est. Dans quelques heures, on devrait avoir atteint Missoula. Ensuite... Faut qu'on revienne ici, avec toute la garde nationale. Et on se débarrassera de ce qui reste... Fouillez les mobiles. Ok. Chut. Du beau boulot. J'y serais passé sans toi. Faut qu'on y retourne. Mais avec un bon plan. On sait pas à qui on peut se fier. Putain de Nancy. Oh non. Oh non. Ils ont barré les routes. Accroche-toi. Derrière nous. Merde. Repousse-les. Seigneur. Accroche-toi! On quitte la route principale!
l'autre derrière. Il y a de la dynamite à l'arrière du camion. Certain. Vite, explose tout. Mes enfants, nous devons rendre grâce, ces deux jours dont j'ai fait la prophétie, est enfin là. Tout ce que je vous ai dit s'est réalisé. Les agents qui ont essayé de m'enlever à vous ont désormais rejoint les bras aimants de ma famille. Tous sauf un. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut entrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. Mais c'est ce que t'as fait, officier. Franchement, si j'étais malin, je me contenterai de te livrer. Merde.
Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. Puis après, tu viens me voir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce merdier.